Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo où je vais vous montrer mes achats Sephora, pas mes derniers mais ceux que j'ai reçus aujourd'hui, et en même temps je vous montrerai la box qu'il y avait en cadeau à partir de 130 euros je crois. Donc à l'intérieur soi-disant il y a 11 produits, donc on va voir ça ensemble. Par contre c'est arrivé pour une fois, parce que chez Sephora on reçoit toujours une petite pochette dans un carton, rien n'est protégé, mais là franchement je vais vous montrer le carton, c'est protégé de partout, il y a du papier à bulles au dessus, en dessous, sur les côtés, franchement top. Comme j'attends des palettes, donc j'espère qu'avec l'effort qu'ils ont fait il n'y aura aucun problème, donc on y va tout de suite. Faut que je vérifie d'abord si c'est ma commande, parce que je les ai commandées, voilà, je les ai commandées dans des boîtes cadeaux, parce que j'oublie tout le temps, mais en fait les boîtes cadeaux je vais les garder, mais ça je pense que c'est la box. On va ouvrir, c'est la box, du coup je la montrerai après. Et ça c'est ma commande qui est super lourde. Je vais regarder dans le fond s'il n'y a pas autre chose comme les petits échantillons, non. Du coup, voilà ma commande. Je l'attendais avec impatience. On y va. On va voir ça, s'il n'y a aucune casse, s'il n'y a aucun problème. Je vais la poser déjà pour moi, ne pas la faire tomber. Donc, en cadeau, donc ils ont mis les échantillons avec ma commande. J'ai eu le tote bag de Noël, le nouveau tote bag de Noël. Ça me sert toujours. Ensuite, j'ai eu, on va commencer par les échantillons. J'ai choisi l'échantillon, parce qu'il n'y a pas ça comme choix. Hein. Le Nina Ricci, donc le rose. Il veut pas rester dans mes mains. Voilà un petit échantillon. Ensuite j'ai choisi en échantillon de chez Kérastase, donc c'est un soin pour les cheveux desséchés et très sensibilisés, donc il est pas mal grand, 15 ml, vous pouvez faire une utilisation. J'ai également choisi le Lolita Lampica, celui-ci. Voilà, petit échantillon. Et on va passer à ma commande. Donc, tout d'abord, j'ai commandé le parfum Carly de chez Huda Beauty, donc le Vanilla. C'est un parfum que j'ai attendu, mais on ne peut pas le commander, on ne peut pas l'avoir à part sur commande. En magasin, il n'est pas disponible. Et du coup, il est souvent en rupture de stock en 50 ml. Et puis, je ne voulais pas le commander en 100 ml parce qu'il n'est pas donné. Je vous mettrai les prix là parce que j'ai utilisé un bon de réduction de 10% que je reçois vu que je fais souvent des commandes. À partir de tant de points, on a 150, je crois, je ne sais plus. On a un petit bon qui vient dans nos avantages, c'est 10%. Donc ce parfum, la boîte, sublime, un écrin. Et le parfum, je l'avais eu en miniature, je l'ai terminé. Et franchement, c'est une tuerie, pardon. Si vous aimez les parfums à la vanille, mais avec une odeur très légère. Et ce parfum me rappelle des souvenirs d'un parfum que je portais avant. Et du coup, ben, j'ai craqué. Ils sont tellement bons. Voilà. Ravie de l'avoir. Ensuite, je me suis pris la nouvelle palette comme ceci de chez Too Faced. Voilà. La Punky Prims. On va voir s'il n'y a aucun problème à l'intérieur. Donc, voilà. Super jolie. Franchement, hop, elle n'est pas cassée. Vous avez le miroir.
et les fards. Donc en ce moment, tout le monde la voit hein, sur internet. Tout le monde l'a acheté. Et maintenant, elle est à moi. Et elles sont bonnes, comme tous les produits Too Faced. Et ensuite, pour terminer dans ma commande, je me suis pris la nouvelle Huda pour tester également. Je vais l'ouvrir. Voilà. C'est la Only Naughty. Oh là là, moi, jamais de ma vie je vais réussir à lire les. Donc, un miroir. Et les fards. Magnifique, franchement. J'ai hâte de tester ça. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous fasse une petite vidéo tuto make-up avec l'une ou l'autre, ou les deux, comme vous voulez. Et ensuite, on va passer au contenu de la box cadeau. Voilà. Donc, il y a à l'intérieur un échantillon, bon, avec une boule, un échantillon comme ceci. Donc c'est c'est pour l'hydratation. Donc c'est une crème gelée hydratante. Voilà, crème gelée hydratante. Nous avons également un crayon aux yeux waterproof extra longue tenue de chez Makeup Forever. Je ne peux pas l'ouvrir parce que tout le monde sait ce que c'est d'un crayon. Nous avons également une petite miniature de Jimmy Choo Fever de 4 ml. Voilà. J'ai le soleil qui passe par la fenêtre. Je suis désolée si ça fait des ombres. Mais il fait beau, c'est le principal. Donc, comme ceci. Trop mimi. Ensuite, il y a... J'attrape un pot de la marque Fraîche, donc Rose Face Mask. C'est un masque à la rose pour le visage de 15 ml. Donc un petit masque. Ça fait toujours plaisir de recevoir en plus de sa commande une box avec des produits en cadeau. C'est toujours ça de bon à prendre. Moi je trouve, plutôt que d'acheter et puis de rien avoir en cadeau, du coup, ben, ça avait tombé que. On pouvait recevoir une commande plus des petits produits en plus. Moi ça j'adore. Donc j'ai un crayon contour des yeux 12H de chez Sephora, donc waterproof, comme ceci. Bon, je pense que c'était un crayon noir. C'est pas... Oui, Black Mirror. Black Mirror, c'est le 01. Ensuite, nous avons un masque formule chauffante aux extraits volcaniques. Bon, voilà, un masque en tissu. Je ne sais pas si je vais m'en servir, mais c'est pas grave. Je peux toujours l'offrir. Ensuite, nous avons de chez Pixi un petit produit de 15 ml. Donc, c'est un rose tonique, comme ceci. Voilà. Ensuite, de chez Too Faced, nous avons son mascara Better Than Sex. Voilà, leur best-seller, je pense, parce que c'est un produit que tout le monde achète. Ensuite, de chez Benefit. Alors, nous avons un gel invisible 24 heures pour définir et fixer les sourcils. Il fait 2,0 ml. Donc ça, c'est pareil, j'ai jamais testé. Vous connaissez, hein, je vais vous montrer, mais voilà. On sort comme de petits mascaras, mais c'est pour les sourcils. Voilà. C'est bien ça, oui, j'ai bien lu. Pour les sourcils. Voilà. Ensuite, nous avons encore un petit pot comme ceci de chez Estée Lauder. Donc, c'est une crème globale anti-âge pouvoir cellulaire.
de 5 ml. Voilà. Super. Et pour terminer, nous avons alors de chez Clinique. Qu'est-ce que c'est? Gelée hydratante tellement différente. Voilà, qui fait. Je vais vous dire ça. 30 ml. Voilà. Donc dites-moi en petit commentaire en bas. Et si vous avez passé commande et ce que vous avez commandé, si vous avez pu tester les palettes ou si vous connaissez le parfum, ce que vous en pensez. J'adore vous lire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas d'activer les petites alertes comme la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos qui sortiront. Parce que j'attends des calendriers de l'avant et j'attends d'autres commandes. Et voilà, on se retrouve pour une autre vidéo très vite. À bientôt.